cahier d'activité de français niveau 5e année primaire, la page 16. Séquence 1, je manipule les mots. Manipule, manipulation. Je manipule les mots. Premier exercice, j'écris au masculin. Nora est une amie. Salim est un. Nora est une amie. Salim est un ami. Nora est une amie. Salim est un ami. Je relève le E de féminin. Nora est une amie. Salim est un ami. Deuxième exercice. Je trouve les adjectifs des couleurs. Puis, je les accorde quand c'est nécessaire. La poupée de Noël a un sac marron, une chemise rose, une jupe verte avec une ceinture noire. La le serre-tête est rouge. Elle porte une chaussette bleue et une chaussette grise. Quelle drôle de poupée! La poupée de Noël a un sac marron, une chemise rose, une jupe verte, une féminin, verte, une jupe verte, avec une ceinture noire. Le sur-tête est rouge. Elle porte une chaussette bleue et une chaussette grise. Quelle drôle de poupée! Noël, la poupée de Noël a un sac marron, une chemise rose, une jupe verte avec une ceinture noire, le serre-tête est marron, le serre-tête est orange, elle porte une chaussette bleue et une chaussette grise. Quelle drôle de poupée! On a des couleurs variables comme le bleu au masculin, le bleu au féminin. Les couleurs variables bleu, noir, vert, gris. Bleu, noir, verte, grise. Bleu, bleu, noir, noir, vert, verte, gris, grise. Comme on dit, la carte grise de la voiture. Les couleurs invariables, soit au majuscule, soit au masculin, soit au féminin, on a la même orthographe. Les couleurs rouge, rose, marron. Ce sont des couleurs invariables, la même écriture. La poupée de Noël a un sac marron, sac masculin, marron masculin. Une chemise rose, féminin, féminin. Une jupe verte,
féminin, féminin, une ceinture noire, le sur-tête est orange, elle porte une chaussette bleue et une chaussette grise. Quel drôle de poupée! Troisième exercice, je mets les accents. Maman grippée. Maman prépare un gâteau à la crème. Elle ne sent pas l'odeur. Elle laisse brûler le rôti de poulet dans le four. Nous mangeons un casse-croûte au dîner et un bon morceau de gâteau au dessert. Maman grippée. La grippe. Malade. Elle est malade. Maman prépare un gâteau à la crème. Gâteau à la crème. Gâteau à la crème. À la crème. Elle ne sent pas l'odeur. Parce qu'elle est grippée, elle ne sent pas l'odeur. Elle laisse brûler. Elle laisse brûler. Laisse brûler. Le rôti de poulet. Le rôti de poulet. Le rôti de poulet. Le rôti de poulet. Dans le four. Dans le four. C'est ça le four. Nous mangeons un casse-croûte. 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 Au dîner et un bon morceau de gâteau au dessert. De gâteau au dessert. Morceau de gâteau. Morceau de gâteau au dessert. Les accents, on a cinq catégories d'accents. L'accent aigu, l'accent grave, le tréma, deux points, dans la O de la lettre. Le C, le C, cédille. Et les circonflexes. On a cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. On a cinq catégories. Maman grippée. Maman prépare l'accent aigu. Un gâteau circonflexe à la A. Grave, la crème grave, et laisse brûler, chapeau, circonflexe, le rôti, circonflexe, de poulet, dans le four. Nous mangeons un casse-croûte, chapeau, au dîner, chapeau, et un beau morceau de gâteau au dessert. La dernière exercice, je mets l'accent circonflexe. Si nécessaire, un bateau, un gâteau, il y a un accent circonflexe, un cadeau, un moineau, un hôpital, un hôtel, un château, un tableau. 1, 2, 3, 4. Les quatre mots avec l'accent circonflexe. Un bateau. Un bateau. Un gâteau. Un cadeau. Un moineau. Le moineau. Le moineau, c'est un oiseau domestique. Le moineau. L'hôpital. L'hôpital. Château. Tableau. Finalement, l'hôtel.